enflammé sur la télévision nationale d'Haïti. Je dis à ce deuxième jour dans moi. Bienvenue dans le premier sorti journal là pour semaine là. Mais point pour le développer dans le journal ça. Caravane changement lancé officiellement lundi 1er mai à notre département la Tibonite. C'est président république là, Jovenel Moïse, qui lance caravane là. En présence, c'est première dame là, Martine Moïse. Premier ministre, c'est Guy Lafontaine, président de branche parlement, avec diverses autres personnalités, dans l'occasion fête agriculture et travail là. Le futur de l'éducation et le numérique, c'était Mion Atelier Travail, ministère de l'Éducation nationale, avec formation professionnelle, dans tête collée avec Discovery Education et puis l'autre partenaire, lancé jeudi mardi 2 mai à Pétionville. Office protection citoyen réalisé jeudi à un forum international sous problème détention préventive et prolongée en Haïti. Et puis à l'étranger, autorité grecque a conclu un accord mardi 2 mai à créanciers internationaux. Ministre finance zone euro a dû réunir sous bon paio 22 mai cap vini là pour approuver accord si là. Pour ça avec un pilote pour le développer dans téléjournal là. Merci après pause ça. You are the one for me. For me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet. Solide coup, wash. Désirable. Salut tout le monde, bienvenue dans le développement téléjournal là, président République là, Jovenel Moïse avec première dame là, Martine Moïse, lancé officiellement lundi 1er mai caravane changement dans le département la Tibonite. Événement ça qui réalisé dans l'occasion fête agriculture et travail là, 1er mai déroulé dans la localité des Granges dans Bokozel, en présence c'est premier ministre Jacques Guy Lafontaine avec diverses lotées personnalités. Sabine Jean, Naël Duvernay, pour un reportage. Caravane changement lancé en grand pompe dans la Tibonite. Moun nan la grange fait toute qualité décoration pour montrer gens yo apprécié projet ça qui baille localité a en pile visibilité. Président de branche parlement qui c'est moun la Tibonite garanti, y a pas accompagné caravane nan nan niveau pa yo. La Tibonite côté me sorti côté en pile parlementaire sorti nous 10 fois ça n'a pas entendu nous avec gouvernement pour que au moins changement li commence fait dans la Tibonite. Et raison qui fait que jodi a président choisi avec gouvernement pour lancer caravane changement dans la Tibonite, c'est parce que la Tibonite pour qu'on parle y a une capacité pour bail puis fort pays à manger. Parlement a continué de travailler sous calendrier législatif là pour voter loi qui soutenir tout programme ça yo et voter budget pour bail exécutif là moyen pour lui atterrir. En nous responsables, en nous travaillons, en nous mettez main
dans le secteur agricole là pour nous bailler production nationale là j'arrête. Ministre agriculture là Carmel André Béliard explique caravane changement pas seulement chita sur infrastructure hydro-agricole. Il présente fiche technique projet ça. Nous avons 707 exploitants qui ont bénéficié. Ils ont réuni en tout 84 carreaux de terre. Nous avons une zone Lester qui a 617 bénéficiaires qui ont bravé en tout 300 hectares. Nous avons une zone Préval, cette rivière de la Tibonite, qui atteint 1957 bénéficiaires, côté nous pour le travail, 516 hectares. Nous avons Hyper Benoît, petite rivière de la Tibonite, qui gagne près de 1228 bénéficiaires, côté nous pour le travail, sous 387 carreaux de terre. Nous avons zone Ponsondé, Moro Papay, Machin de Saline, qui gagne 675 planteurs bénéficiaires et que nous avons touché environ 320 hectares. Et nous avons des chapelles païens dans la commune Verrette-Liancou. C'est lui qui porte, le deuxième monde et commune qui porte Gouloa avec 1594 bénéficiaires planteurs, côté nous pourrons toucher environ 400 hectares. Ça fait nous en tout 6778 planteurs qui pourront bénéficier du programme intervention de mise en valeur des terres agricoles que Caravana vient avec. Président républicain Jovenel Moïse persiste pour le dire. Caravane changement, c'est une démarche qui permet aux Haïtiens qui sont dans le pays de gagner une bonne qualité de vie avec liberté pour gagner l'argent dans la poche. Je te promets que nous allons utiliser ce pays d'Haïti pour commencer le développement économique. Parce que Haïti est indépendant depuis 214 ans. Mais est-ce que, sur le plan économique, nous sommes indépendants? Est-ce que chaîne n'en pas dans tête nous toujours. Est-ce que liberté qui pour permettre nous fouer maintenant poche pour nous acheter ça nous besoin chaque jour, est-ce que nous y elle? C'est indépendance ça. C'est lui-même ma bataille pendant mandat que nous ba moyen pour me commencer initier pour nous. Pour ça, moi dis nous pour aller mettre terre Rivière, Mounio, ak soleil ensemble. Pendant qu'on a corrigé tout ça mérité pour corriger. Par exemple, en pile équipement l'État, te kon fait travail pour grand nèg seulement. Jodi a équipement l'État a fait travail pour maléré dans vallée la Tibonite. Président République l'a remettre reçu par représentant 6 associations qui regroupe agriculteurs et propriétaires terriens. Monsieur Sayo a eu accès gratis à tracteurs, semences et puis engrais qui a aidé à démarrer en attendant de prendre un cabio pour compte. Merci Sabine Jean avec Jean-Naël Duvernay pour reportage ça sous lancement caravane changement qui fait dans la localité Lagrange dans Bokozel hier lundi 1er mai 2017. Là. Président République là, Jovenel Moïse encourage yon fois encore stabilité dans secteur politique là pour peuple là ka joui pi bon condition la vie. Chef l'État a expliqué détermination le gagnant pour population en joine manger dans assiette li ak l'argent dans poche li. Président Jovenel Moïse qui t'a parlé dans cas de lancement caravane changement fait rappeler c'est manger qui descend manger. Yon extrait. Nous pral travail sans relâche pour nous résoudre gros problème agriculture pays a gagné. Et comme ça, n'a privé déraciner problème la vie chère qui a ravagé la population. Parce que c'est manger pour descendre manger. C'est manger pour descendre manger. En nous mettant main pour l'État jouer un rôle dans créer bonnes conditions pour une stabilité, justice, la paix et la sécurité. J'aime toujours dire nous. J'aime te dire nous pendant 22 mois, je suis dans la rue. J'aime te toujours dire nous, pas de progrès, pas de développement sans stabilité politique. Faut pays politiquement stable. Faut nous-mêmes, nous tous qui viennent là aujourd'hui, regardez comment nous venons accueillir
peut-être une section communale qui est abandonnée depuis longtemps. Nous sommes au plus haut niveau de l'État. Je dis à m'songer. Mais pas oublier, chaque temps, nous avons un groupe qui veut chauffer tête nous, réfléchir sur ça. Dit qui ça nous besoin. Même gens, belles mesdames, qui ont un jaune et vert qui sont à côté de là. Panier, panier, il y a toute qualité produit agricole. Produit qui fait dans la vallée la Tibonite. Tant que l'âme véritable m'a gardé là. Tant que la loi m'a oué dans le panier. Tant que l'anana, tant que bérégène, tant que figue banane m'a oué dans le panier. Tomate, c'est dans la vallée à faire. Ça veut dire que les gens, c'est travail à travail. Faut nous garder sans froid. Son mandat que nous sautons ben moins, nous bon mandat pour me diriger le pays pendant 5 ans. Même en nous coûtons, nous aide nous. Même Jean Matin, à 7h moins, disons le 6h45, premier appel me recevoir son directeur de l'école dans Wanamet qui pourra planter pied bois. Et gon pépinière qui dans zone qui pour l'état yo pas de vle bal pied bois pour la planter aider me veiller même Jacques professeur ça directeur ça dans Wanamet aider me veiller pour que l'état arrive sur nous tout bon voyé sénateur Latibonite l'encore les Mura Cantave et bat bravo pour lancement caravane changement qui fait le 1er mai dans Bokozel localité La Grange parlementaire a dit li espérer caravane ça permettre planter ak agriculteur joindre amélioration dans activité caravane changement qui lancé hier et même Jean président Jovenel Moïse te prévoit là caravane lancé hier et avant hier il y a eu des préliminaires, des canaux qui nettoyaient, des routes vicinales qui faites et il y a en fait des canaux de drainage tout qui nettoyaient des canaux d'irrigation. Moi, je pense que c'est une très bonne chose en tant que préliminaire. Hier, un lancement en caravane en fait et moi, je crois que le président Jovenel est condamné pour le réussir. Il est condamné pour le réussir dans la mesure où il y a en pile bruit qui fait autour de caravane non? Et les extraits de cette caravane, les résultats de cette caravane, ils ont supposé des côtés porteurs, disons, gratifiants pour le peuple haïtien, pour la population antibonicienne, en particulier la population du bas antibonide et plus particulièrement en fait population Saint-Marc. Président Jovenel lancé au projet. Moi, je pense qu'il ne faut pas marcher, en fait, pour ne pas précipiter trop. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop presser, faudrait-il que nous attendions qu'il soit à venir à porter. Ça, c'est la phase 1 de lancement. Il y a d'autres phases. Et les autres phases, c'est particulièrement la phase de concrétisation, n'est-ce pas, du projet. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besoin. Il faut que nous attendions que, justement, pour messieurs, ils ont concrétisé après lancement. Donc, moi-même, je pense que seulement, hier, j'ai remarqué que, à part de gros. Quand il y a une chaîne de lancement qui fait là, et me féliciter le président Jovenel pour lancement, je me féliciter le discours sénateur Yuri La Tortue à tout, moi féliciter en fait et représentant de la plateforme Zemak là qui t'est parlé de Negla Tibonite, n'est-ce pas? Donc, moi je crois que c'est important pour nous relever des petites erreurs qui fait. Et erreur ça, quel que soit quand il y a, il faut soulever parce qu'il faut porter amélioration de ça qu'a fait là. Nous allons parler de l'éducation nationale avec le ministère de l'éducation nationale, la formation professionnelle, MENFP qui est en tête collée avec Discovery Education, avec l'autre partenaire lancé 2 mai un atelier sous Avenir Éducation et Numérique là en Haïti. Avenir Éducation et Numérique, et c'est sous thème ça, premier journée atelier 2 jours ça. Cap déroulé dans présence directeur enseignant professionnel dans domaine technologie information et communication. Un reportage est Rachel Saint-Fort avec Michel Joseph. Utiliser différents outils technologie information communication pour renforcer le système éducatif là dans le pays d'Haïti dans l'idée pour permettre citoyens yo participer activement dans développement communauté yo
C'est parmi objectif atelier ministère éducation nationale réalisé mardi 2 mai 2017 là. Le rôle de l'école de plus en plus, c'est pas seulement former des citoyens critiques qui capable dénoncer problème yo, qui capable diagnostiquer problème yo, qui capable montrer problème yo. Le rôle de l'école aujourd'hui de plus en plus, c'est interpréter, analyser et proposer solution. Et c'est dans ce sens ça l'homme garde philosophie et travail Discovery Education a fait. Et il y a une phrase que je dis, je pense que c'est important. Je dis, well, l'école, c'est pas permettre si on a dit qui ça le veiller demain. Mais l'école, là, c'est surtout, c'est permettre si on a posé peut-être les questions. Qui problème veut résoudre demain? Et avec qui est-ce qu'on va résoudre? Je pense que c'est motivation ça qui est important et qui rencontrer. Définis tout qui là, qui travaille depuis longtemps dans le système éducatif là, qui connaît que l'école a besoin de réformer, qui connaît que l'école a besoin de porter solutions. Discovery Education, c'est une institution référence qui sert à science, technologie, ingénierie, mathématiques, pour améliorer la façon dont on apprend. Institution ça, former professionnels qui ont innové, créé, porter solutions à problèmes communautaires. Responsable dans le ministère éducation nationale, yo, à travers atelier ça, viser formaliser un partenariat à Discovery Education dans l'idée pour renforcer et puis moderniser le système éducatif là. Cette démarche qui rejoint bien la vision exprimée lors de mon discours d'investiture le 22 mars 2017 pour une place de choix d'éthique au sein de l'école. Vision qui retrouve d'ailleurs son ancrage dans la feuille de route gouvernementale en éducation qui souligne dans son action 23 qu'il faut renforcer le réseau de laboratoires en sciences de base pour l'encadrement de l'apprentissage des écoliers dans les domaines des mathématiques, des sciences appliquées, de l'informatique, des langues vivantes et de l'entrepreneuriat en prenant avantage la possibilité de formation à distance grâce aux technologies de l'information et de la communication. Atelier ça, c'est une opportunité pour autorité dans l'État d'ouvrir un dialogue avec décideurs publics, entrepreneurs, universitaires, directeurs d'école, enseignants, acteurs en numérique, dans une perspective de collaboration, une manière pour mettre des outils interactifs multimédia au service pédagogie haïtienne. Magistrat Pétionville, Dominique et Saint-Roch est menacé prend l'autre mesure contre Marchand qui refusait quitter trottoir dans la commune la dirigée. Sous bois paio, Marchand l'a mandé magistrat yon marché pour yon vendre. Rudli Noël, Michon Joseph t'est penché sous question. Espace pour yon vendre. Marchand ça yon fait qu'on est marché coco et ya trop petit pour recevoir yon. Marchand yon besoin lever, mais yon pas gen côté pour y aller. Tout le monde c'est là pour yon. Nous demandons, magistrat, ban nous marcher pour nous lever quitter la rue. La rue pour piéton, marcher pour marchand. Marcher pour quoi, marchand ne pas venir nous présenter bon côté. C'est le magistrat avec la tête pour faire marcher pour nous mettre nous chita. Courir la rue, pas bon pour nous. C'est nous-mêmes, nous faisons magistrat ban nous marcher pour nous chita. Et pour ça, nous dévoter, il faut que nous marcher pour nous chita, marcher pour Pétionville. Magistrat Pétionville, là, Dominique Saint-Roch, dit mairie à Palguin Brigadier pour empêcher marchand d'occuper tout le puis loin, magistrat fait qu'on est. Il y a des musiques qui prennent contre Machan qui ont fait résistance. On connaît la police, c'est un gros support que le banou. Mais nous connaissons que Rivon, la police, pas carré dans la rue en est avec nous. À ce moment-là, nous pourrons venir avec la brigade d'intervention des rues qui pour faire maintenance au niveau de la rue. Hein. Nous pourrons aller jusqu'à l'extrême. Où est la commune sœur, nous, commune voisine, nous, ils arrivent jusqu'à procéder à l'arrestation. Nous, même tout, au niveau de mairie Pétionville, il se peut que nous arrivions jusque-là. Parce que la loi claire que. Pas de droit de occupation qui fait de trottoir, la loi pénile. Donc à ce moment-là, nous pourrons prendre des sanctions qui doivent aller à des jours d'emprisonnement et jusqu'à un amende à payer. Ensemble, ils sont entrés dans le cadre d'opération mairie lancée dans la commune qui baptisait la Rue Blanche. Le reportage de Rudli Noël avec Michel Joseph sur la situation dans la commune Pétionville, côté la mairie levé Machanio et Machanio lui-même y a demandé yon côté pour yon van. Il fait là pour nous prendre l'autre pause dans le journal là, n'a pas tourné dans un petit moment. Get through the people, 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 get through
palais. Un produit séjourné. Oubliez rêve ou vignon réalité nous a fait la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel qui est une clinique naturopathique ouvre porte li bien grand sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant coup, kis, fibrom, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite à quelques lot encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12. Ou bien relez dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur le site Lantou. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça y a kaba naturellement. Nous retournons après pause là. La pluie qui a tombé chaque jour à rend route carrefour impraticable en pile pour machines et piétons. C'est canal qui bouché qui la cause l'eau envahit la ria d'après ingénieur Joséus Nader qui est responsable des services entretien urbain et rural. Anne-Marguerite Auguste, André Chéri pour un reportage. L'eau sale, la boue mélangée avec toute qualité fatra, c'est des conservatismes présentés qui ses conséquences. La pluie qui a tombé chaque après-midi presque dans tout pays. Ingénieur Joséus Nader expliquait raison qui fait yo pas qu'à lever la boue avec fatrayo parce que yo trop liquide, ça qui ca la cause fatrayo gaillé dans la rue dans moment y a ramassé yo. Situation Matissan vin plus grave à cause canal Matissan 7 là réduit dans la gel. Situation vin plus fragile tout à cause vieille construction anarchique yo qui fait dans zone là. Ouais, canal l'autre bon côté le sorti entre environ de 4 à 5 mètres. Jodi en côté réduit là deux canaux rencontrés, un saute Sénégal, l'autre la saute dans Matissan 7, ouais, il réduit à peine de 80 60 cm. Ça traduit quoi? Ça traduit depuis le boucher, il est normal pour écoulement pas fait. Et résultat, c'est conséquence pousser la mer là et construire caille. Jodi, il pousser la mer là de 1 km. À partir des rues, côté le avant. Il était à 50 mètres de la rue, hein, longtemps, dans les années 84, 85, 86. Jodian et National numéro 2, hein, par rapport à la mer, à 1 km. C'est-à-dire, c'est pousser la mer. Il est normal, ouais, qu'on y a eu une ferme exutoire là. Et depuis exutoire là, ferme, c'est normal, pas qu'il y ait écoulement et qu'il y ait inondation. En dedans, Matissan 7, là, la pluie inondée diverses cailles. Responsable service entretien urbain à Kural là, ingénieur Joséus Nader expliquait ces monde qui a poussé la mer pour yo ka bati tikay qui fait situation fragile comme ça. Li invité autorité yo chita parler ensemble pour voir qui pi bon décision yo te ka prendre pour améliorer situation moun sa yo. Son population qui pas conscient, c'est battre la bat pour survivre, ou est côté ou rete ou est misère passer. Yo même chaque moun besoin gon tikay, quel que soit côté ou gè kalan, c'est l'état qui pour réguler, c'est l'état qui pas qui pour agir pour pas quitter moun yo construire n'importe qui côté depuis moun yo au genotier espace là si yo genotier espace ou après yo construire la donne c'est nous mêmes qui pour agir mais c'est qu'a pousser la mer yo moi gon l'aime te parler avec yo m'te réuni tout ensemble m'te limité m'te non rivé là on a stoppé en attendant problème dans résoudre m'te même fait 11 semaines de planter pied bois tout dans limite littoral là pour pas continuer encore yo fait un an et demi pas de faire. Après ça, on recommence pour la plus belle, parce que l'État n'a pas de suivi, pas de continuité. Ce n'est pas nous tous qui parlons le même langage, ce n'est pas nous tous qui avons des problèmes dans les mêmes gens. Là où il y a des bagages, on va chercher, mais les problèmes posés, après tout le monde est là. La population zone a dénoncé l'autorité, elle dit qu'elle fait une intervention chaque fois la pluie tombée. Elle dit qu'elle est parée pour quitter la zone, elle est responsable pour faire le travail, depuis qu'elle a décidé de mettre l'autre côté. Depuis l'État prend responsabilité de nos populations, population let 10-15 000 personnes mourir et l'État responsable. Et comme ça tout, si l'État lui-même l'a venu là font travail pour protéger la population, il faut que l'État prenne responsabilité pour le faire. Ça ne pas comprendre, mais ça ne comprendre, non, la comprendre. Vous comprenez? Mais ou pas obligé de mettre les gens dans le dehors pour ne pas aller côté pour le rete. Ou pas faire côté catégoriquement pour que les gens rejoignent côté pour être capable en sécurité. Et comme je cap dit ça pour rejoindre bonjour loisir. Et puis tout, et puis faire travail pour nous faire, pour nous jouer nos solutions durables. C'était nettoyage, propage, et pas seulement Matissan 7, non. Puis de l'autre côté. Ingénieur Nader a annoncé qu'il a continué à déblayer le canal pour faciliter de l'eau à couler, ça a aidé à limiter les dégâts.
Gros la pluie qui tombe dans week-end a causé gros dégâts car plusieurs moune qui vivent dans zone Port-au-Prince-là. D'après député 3e circonscription Port-au-Prince-là, printemps Belize. Dans ce sens, parlementaire a demandé intervention autorité pour porter secours à la population. N'ap suivre. Je n'ai pas regardé ça qui passait au niveau de Savane Pistache, zone Petite Décaillette. Côté que Mounio gagne une vingtaine de cailles qui effondrent. Il y a un peu de monde qui est victime physiquement. Côté que pieds sont cassés, sont blessés. Et depuis hier soir, nous faisons nuit ensemble avec eux. La boue envahit Kaimounio. Kayo effondré. Il n'y a pas de cabane. Il n'y a pas de l'eau potable. Il n'y a pas de aucun moyen immédiat pour être capable de subvenir à besoin. Et dans ce sens, nous avons lancé un vibrant appel à toute autorité qui concerne pour nous dire population Matissan. Population Savane Pistache Décaret là, population Bolos là, population Fontamara, yo en danger. Solution nous quoi que doit gagner, une sorte de synergie qui dégage entre différentes institutions concernées. Et c'est ça qui fait que n'a annoncé alors n'a tout informé la presse et n'a informé population hein, en tant que député 3e circonscription de Port-au-Prince, n'a jodi à la même m'a pas adressé une lettre au président de la Chambre des députés, côté que pour inviter vendredi 10 le ministre des Travaux publics, le ministre de l'Environnement et le ministre des Travaux publics, là, doit faire l'accompagner des directeurs mines et énergie. Nous continuons avec le centre de formation encadrement technique qui est en collaboration avec ONG en Haïti, organisé une conférence débat sur question renforcement petit et moyen entreprise dans la région Côte des Acadés. Vendredi 28 avril qui s'est passé. C'était occasion pour responsables sensibiliser jeunes entrepreneurs pour légaliser entreprise dans le ministère commerce et industrie, une façon pour sortir dans informel là. Un reportage et Sainte-Croix par qui avec Michel Joseph. Conférence de Bassa organisée dans l'idée pour sensibiliser jeunes entrepreneurs qui évoluent sous côte des Acadiens sur importance pour légaliser business dans le ministère commerce et industrie. Ça va permettre à gros compagnies signer un contrat avec eux, joindre assurance et puis bénéficier près la banque, d'après le coordonnateur adjoint bureau régional ministère commerce et industrie, Sonny Pierre. Son programme, que ce soit PSME et accélérateur, il y a plus de 3 ans dans le ministère là, que il a avancé. Et nous avons témoignage d'un pile entrepreneur qui, c'est le programme réel qui commence, qui prête en pile monde. Même là, à Cabaret, nous avons un pile monde qui prête l'argent, mais qui regroupe en organisation. Condition, c'est où qu'on est fort que l'entreprise soit enregistrée. Ça, c'est le premier magasin pour gagner. Et que il y a un système qui est là qui vient étudier la capacité d'entreprise, etc. Est-ce que, mais ce n'est pas le ministère de commerce qui fait, il permet qu'une institution financière fasse la place. Okay? Et c'est l'institution financière ça, qui a l'argent tout, pour lui-même faire étudiant, pour lui faire capacité. Est-ce que ou qu'à absorber 1 million, 2 millions, 500 000 gouttes, etc. Objectif centre formation, encadrement et technique, là, c'est orienter jeunes entrepreneurs à yo, et puis, dans yo formation nécessaire. C'est fait, c'est une institution qui a vocation pour faire formation. Donc, c'est un programme que c'est fait, lui-même, lui développer, lui proposer, il y a des programmes, là, il y a des d'accord, lui dit la marche là-dedans. Donc c'est tout un mouvement. Faut nous faire une histoire pour nous comment le programme n'a pas avancé. C'est un programme que direction technique s'est faite là avec Bot s'est faite là préparé et que ça est d'accord avec le programme là nous marcher là-dedans. Donc il y a plusieurs volets là-dedans. Gon volet par exemple AEK que association qui a renforcé n'a a bal les moyens pour le cas dynamiser. Nous gon volet également de formation que n'a fait pour entrepreneurs également pour nous en phase projet pour nous projet en phase pour faire graduation pour mon lieu. Formation et encadrement, c'est plus bonne façon pour aider les business au bourgeonnais. D'après responsable organisation CFETIO, mission parle, c'est renforcer les entreprises sous côte des Acadiens. Directeur général et ministère commerce et industrie Daniel Denis visitait vendredi 28 avril 2017 la locale institution nationale pour développement et promotion Kouti. Selon le directeur général ministère commerce et industrie, visite sa rentrée dans le cadre des démarches administration Moïse là avec le gouvernement La Fontaine mené pour encourager et puis accompagner investisseurs dans le pays. Daniel Denis avec président conseil administration INDEPCO Hans Garout dans la micro-télévision nationale.
formation qui dure 2 semaines, qui sont réalisées là, c'est des formateurs cubains et avec un financement de l'Union européenne et qui viennent réaliser formation ça en Haïti pour des chefs d'atelier et cubains, alors dominicains et haïtiens. Donc ça fait 16 chefs d'atelier qui sont sur formation et nous avons un partenariat et avec Indeco, ministère du Commerce, pour nous travailler sur des activités de formation comme ça. Et objectif atelier, ça c'est permettre chef Sao Green développer des compétences spécifiques pour améliorer la qualité œuvre. Et moi, c'est que nous sommes capables de voir présentation. Et œuvre Sao, c'est seulement dans 2 semaines, hein, chef d'atelier yo, réalisé yo, sous supervision après formation que vous joignez dans main et formateur cubain qui vient faire partage d'expertise. Ça. Et au final, qui ça nous vise? C'est que œuvre Sao qui réalisé là, capable de permettre et nous exposer dans d'autres milieux, dans des foires par exemple, comme prochaine fois qu'artisanat qu'a fait à Cuba, pour chercher des marchés et pour artisans, ça, pour permettre et pour favoriser l'exportation, qui va générer des revenus à la fois pour marché et national, mais pour artisans qui sont capables d'améliorer la vie. Et l'autre élément important, c'est transmission de compétences. Transmission de compétences, ça veut dire que chef atelier ça, qui participe là, Wolio, par la suite, et c'est former l'autre professionnel. Donc, c'est dupliquer formation hein, pour nous capables de jeunes plus et professionnels qui développent même compétences hein, pour nous capables de gagner une production qui est plus intéressante et puis favoriser l'exploitation, rentre de devises dans le pays par l'artisan. Bon, nous très contents et nous espérons que c'est une première et nous pourrons continuer à encadrer l'artisan. Pour nous exposer à de nouveaux savoirs pour permettre que nous soyons plus compétitifs. Et particulièrement à gouvernement et à sénateurs et députés, parce que nous voyons pile photo de tout séminaire qui t'a fait là, pour lui avoir un message. Avec le ministère du Commerce, nous avons un chita avec eux pour nous analyser comment pour nous détaxer certains produits. Pour permettre que l'artisan soit plus compétitif et que nous puissions créer des emplois, créer des richesses et rentrer dans la compétition régionale caraïbe et éventuellement compétition mondiale. L'autre point à développer dans le journal ça, sous initiative syndicat employé APN, plusieurs employés qui travaillent dans l'institution ont embrassé l'idée mardi 2 mai sous question retraite pour moun qui gagne plus passé 25 l'année dans boîte là. Président syndicat Wilfried Saint-Ilus rappelait importance question pendant les souligner moun tout employé gagne droit à retraite mais ça doit faire dans bonnes conditions. J'étais dans micro Richardson Jordan avec Moïse Wilbridge. Mais à chaque fois parler de retraite, c'est une question problématique. Et nous sommes capables de remarquer gagner des politiciens qui font campagne médiatique pour dire qu'ils ont demandé que les gens qui gagnent plus de 23 ans, 24 ans de décision, il faut que tu chassé pour la retraite. Nous-mêmes n'avons pas de problème à cela. Mais c'est qui gens pour aller à la retraite? Parce que nous pensons que faut que l'État a pris en charge les gens qui sont à la retraite. Les gens qui viennent de 23 ans et qui ont touché un salaire qui n'est pas raisonnable et les gens qui ont vivre, ils n'ont pas une vie décente. Il faut qu'au moins ils révisent le salaire de les gens et ensuite ils honorent. Nous-mêmes, dans de la PN, dans le syndicat PN, nous croyons que nous sommes chita, nous avons posé problème, non? Et c'est à partir de là, nous faisons une résolution sortie par la direction générale APN. Non? Parce que le problème, ça nous-mêmes, nous sommes censés résoudre, mais ce n'est pas parce que nous-mêmes, APN, nous ne sommes pas tombés en bas en telle situation. Comment employez-vous avec la direction à qui résolution ça? Oh, favorablement, parce que nous-mêmes, dans le syndicat APN, non? Nous n'avons pas dit que y a des gens qui font 22 ans dans APN, 23 ans, pour dire que d'ailleurs, au moment manque à gagner, les pays vont travailler dans l'emploi. Après 12-13 ans, on va pas avec, c'est-à-dire là, mais c'est là qu'on fait le fait de donc, ouais, le petit grand monde, c'est les pas le besoin de l'argent pour fonctionner. Et nous dit, à faire, par exemple, après des parlementaires, des voix autorisées, qui dit que faut que ça soit tout là, et nous dit, oui, tout là, mais il n'y a pas pour aller mourir dans la misère. C'est ça fait nous demander la direction générale là, pour l'accompagner tout le monde qui va aller dans la retraite. Et de moi, si je veux, les gens qui ont petit, pour dire, papa, je vais travailler à PN, papa, je vais mourir dans la misère, boîte ça, je vais venir travailler là-dedans.
Droit pour gagner accès pour joindre information à la démocratie en Haïti, c'est sous thème ça, plateforme, organisation haïtien droit moun et POHDH organise activité mensuelle, vendredi de la plateforme, 28 avril et qui saute passé à. C'était occasion pour intervenants discuter sur l'importance droit accès à l'information dans affaire transparence qui nécessaire dans la démocratie et puis présenter failles techniques et juridiques, yo di yo remarqué dans proposition loi sous diffamation. Youn après l'autre, secrétaire exécutif et plateforme nan avec Maître Newton Saint-Just. Dans proposition de loi, ça y a un ensemble de sanctions, que yo prévoit. Côté diffamation lui-même, qui c'est capable de dire c'est un délit privé. Nous sommes capables de considérer et les gens ont traité dans la proposition de loi. Ils n'ont pas tenu compte des aspects. Nous croyons que c'est ensemble des failles techniques comme ça qui paraissent dans la proposition de loi. Mais au-delà de ça, intention qui cachait des propositions de loi. Côté pour permettre, nous sommes capables de dire, des dirigeants ou bien des autorités dans le pays, capables de liberté pour faire ça ou bien, et pour être capable d'interdire la population ou bien interdit journalistes, la presse, pour être capable bien accès à des informations, côté pour être capable dénoncer des bails qui sont capables de faire. Nous lançons appel à M. le député pour nous dire qu'il n'est pas capable d'aller. Mais si Allah, parce que nous avons certaine solidarité dans le mal, nous lançons appel à citoyens pour nous mobiliser. Mais non, c'est fondamental, la liberté de la presse doit encadrer. Nous ne sommes pas capables d'utiliser ça à n'importe qui, gens, contre les gens, contre l'intérêt pays. Ce n'est pas seulement la diffamation que nous sommes capables de faire sur Internet ou la radio. Nous sommes capables de propager de fausses nouvelles qui font instabilité politique dans le pays. La voie poursuivre avec Office Protection Citoyen OPC qui organise mardi 2 mai dans Pétionville. Yon forum international dans le cadre des présentations avant projet loi pour moderniser le système pénitentiaire en Haïti. D'après protectrice citoyen Florence Eli, activité ça a visé sensibiliser autorité sur problématique détention préventive et prolongée dans le pays d'Haïti. Marie-Jolouis, Michel Joseph pour un reportage. Bien content que, en tant que protectrice sortante, moi bien content que m'là encore pour m'assister à cette dernière étape. Et donc, m'a souhaité tout processus en bonne chance et m'espérer vraiment que DAP prenne une vie nouvelle, normalement, avec une démographie qui a augmenté, avec difficulté que nous gagnons pour nourrir Mounsayo. Et bon, on pensait que bien urgence en la matière. Donc, je suis sûr que le parlementaire a pris la mesure de cette urgence et qu'il a fait tout ça capable pour qu'il soit capable de passer loi au vote. Bon, c'est eux-mêmes qui pourraient le faire recommandation. Donc, je ne peux pas même précéder, je préféré que c'est eux-mêmes qui baillent la primeur. À l'étranger, autorité grecque a conclu un accord mardi 2 mai avec les créanciers internationaux. Le ministre des Finances et zone euro a dû réunir sous Bopayo 22 mai cap Vinila pour approuver l'accord. Après plusieurs séries de négociations, à lundi 1er mai, un accord arrivé joint mardi 2 mai 2017 là entre la Grèce et les créanciers internationaux. Ministre finance grec là Euclide Sakalotos déclaré à Kosa pral créer ouverti pour négocier sous diminution dette grec là. Pourquoi il y a la pays la Grèce besoin un nouveau crédit pour rembourser 7 milliards d'euros dans mois juillet cap vini là. Sous pression créancier yo Union européenne, Banque centrale européenne ak Fonds monétaire international pays Grèce té accepté mois passé à diminuer pension retraite ak augmenter taxe yo. Plusieurs milliers de monde manifestaient lundi 1er mai en Grèce contre nouveau coupe budgétaire qui doit joindre bénédiction palman. Et ça va prêter là, il y a une grève générale qui a annoncé pour 17 mai cap vini là. Toujours à l'étranger, système défense antimissile américain Tahad opérationnel dans Corée du Sud. Ces déclarations yon responsable l'armée américaine fait lundi 1er mai 2017 là. Autorités russes et chinois yon opposé à décision si là. N'am suiv. Bouclier défense antimissile Tahad la opérationnel dans Corée du Sud. Système ça a une capacité pour intercepter missiles balistiques nord-coréens et puis défendre République Corée. D'après colonel Rob Manning, qui est porte-parole de l'armée américaine en Corée du Sud, moun ki rete tout près installation système ça qui situé sur un ancien terrain golf à environ 250 km ville Séoul,
pas caché colère yo. Sous scène internationale, l'autorité russe et chinois ont opposé à ce qu'ils considéraient comme une tentative d'envahissement de zone influence. L'autorité américaine au bon côté payo poursuivent mardi 2 mai avec démonstration exercice militaire yo dans tête collée avec force militaire aérien sud-coréen et japonais. Et puis aux États-Unis, depuis week-end nan gros la pluie qui pas suspend tomber la cause environ 16 moun ont perdu la vie dans l'état Missouri, la pluie a déclenché inondation côté yon centaine moun déjà évacué. Plusieurs tornades ak lot tempête frappé état Oklahoma, Arkansas, spécialement dans le nord et puis Illinois. Situation ça la cause route yo endommagé, ça qui rend circulation difficile sans compter dégâts matériels la pluie ak inondation ça yo fait sous passage. Nous prale avec média yo pas répondre avec mission sociale yo nan dernier temps sa yo d'après plusieurs professeurs nan domaine communication ak information. Professeur sa yo exprimé yo konsa nan cadre des célébrations Journée mondiale liberté la presse là demain 3 mai ici en Haïti et spécial yo avancé plusieurs raisons pour expliquer position ça. Les médias ont des difficultés pour éclairer la population sur diverses qualités de problèmes sociaux. D'après le professeur Harry Régis, le financement des médias, c'est une cause essentielle. Nous avons dit chaque jour qu'on vient, on apprend nos situations économiques. Là, même les médias ont tombé à chercher de toute façon pour être capable de faire corps, pour être capable de faire travail. Ça vient faire que une équipe de médias qui vient réduire la capacité pour gagner la liberté pour faire travail social. Il y a l'autre bord. Professeur ajouté, mon professionnalisme est professionnel dans les médias. Professeur Louis Gabriel Blo, allez dans le même sens là tout. En réalité, il y a un problème de professionnalisation. Il y a des gens qui pensent que le fait que vous avez un micro, le fait que vous avez une caméra, le fait que vous avez un plumier à écrit, ça suffit. Ils n'ont pas gardé tout ça sans impliquer l'organe bagaille ça. Il faut qu'on méthode, il faut qu'on technique, il faut qu'on principe pour capable vraiment faire travail. Souvent, au niveau des médias, on véhicule le vraisemblable pour le vrai. Mais le vraisemblable n'est pas le vrai. Et il y a des fois, il y a des gens qui ont tellement de co-responsabilité au niveau des médias, ou même des côtés où ça passe pour la responsabilité. Ça. Des gens qui ont formation parfaite, des gens qui n'ont pas la hauteur de sa faire, et pourtant, c'est eux qui mettent d'opinion, c'est eux qui orientent les gens, c'est eux qui font l'opinion. Donc, on se demande, donc, médias, est-ce que les capables vraiment jouer rôle sa responsabilité sociale là? Au rôle chien de garde là, au rôle avant-gardiste qui pourrait des sociétés. Chirilé Pierre-Antoine, licencié en communication sociale, quoi média a résisté en pile pour liberté la parole en Haïti. Ça qui d'après lui, t'a fait yo répondre yon ti crasse à mission sociale yo. Cependant, ça pas empêché communicateur social là critiquer programmation yo, selon lui qui pas refléter réalité société a. Et programmation média yo très chétif. Pas et manquer en pile, même si nous sommes d'accord dans 5 dernières années, ou bien nous avons des médias qui plus ou moins semblent qu'il y a des efforts qu'on fait. Mais en gros, la programmation n'est pas très chétif. Et c'est pour ça tout, si vous regardez après, eh bien, on se match, on se fait tout, on doit avoir une totale priorité dans les médias par rapport à une série d'informations, par rapport à une série d'émissions d'informations ou bien culturelles, des bagages qui t'avons participé, non, et comme t'as dit, et construit et permettre les citoyens de comprendre une série de phénomènes, une série de réalités qui ont rapport à la vie, il y a vu chaque jour qui joue. Petit que ça au paraît, 10 années après journaliste Bayo Serin, publié livre qui relaie Sauver l'information en Haïti. Dans le livre ça, journaliste a constaté radio, puis s'intéresser à l'information concernant la politique, au lieu santé, éducation, justice, migration, religion. Aneska Ilienez, c'est non yon ti moun qui gen 13 l'année qui kite route Kaili, papa le relé Ulrich Aneska la vive Bombardopolis. Ludmita Jean, c'est cousine qui te avèl nan station Gounaïv la nan Port-au-Prince, li sorti Raboto. N'importe moun qui ta joine li ki menel, ta ka menel nan télévision nationale d'Haïti. Delma 33. C'est là tout n'a mette yon bout avec téléjournal là, mais rappel ti. Caravane.
C'est officiellement lundi 1er mai dans le département la Tibonite. C'est le président de la République là, Jovenel Moïse, qui lance caravane là, en présence de la première dame là, Martine Moïse, premier ministre Guy Lafontaine, président de branche parlement, avec diverses autres personnalités, dans l'occasion fête agriculture et travail. Le futur de l'éducation et le numérique, c'était mon atelier travail, ministère de l'Éducation nationale, avec formation professionnelle, dans tête collègue Discovery Education, et puis l'autre partenaire, lancé jeudi mardi 2 mai, dans Pétionville. Office de protection citoyen réalisé jeudi à un forum international sous problème détention préventive prolongée en Haïti. Et puis à l'étranger, autorité grecque conclu un accord mardi 2 mai, créancier international Lio, ministre financier zone euro a dû réunir sous Bopayo 22 mai cap vini là pour approuver accord si là. Merci à tout le monde qui t'a prêté attention. Merci à tout le monde tout qui participait, qui t'a permis de téléjournal ça possible. Nous souhaitons tout le monde passer une excellente soirée. N'accompagne nous, Télévision Nationale d'Haïti, chaîne 8.